Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, j'ai trouvé plein de nouveautés chez Action où je voulais crash tester avec vous. Donc il y a deux liners, il y avait plusieurs couleurs. Moi j'ai pris le bleu et le orange, j'ai pas pris le vert clair. Je sais plus, je crois que c'est tout ce qu'il y avait d'autre. La mine, elle est comme ça. On va faire un essai. Comme j'ai un pull voilà, c'est assez particulier quand même. Oh, je l'enlèverai après de toute façon. Donc il était au prix liner. Marqué, ça va bien avec le pull. Liner, il était au prix de 1,39. Donc il y a le orange. Il y a le bleu que j'ai pris. Tester aussi. C'est sympa. Ça, il y a un côté tampon, je vous ai pas montré. Donc sur le orange, c'est une étoile et sur le bleu, c'est une lune. Ouais, sympa. Sympa, sympa. Je vais prendre un. N'oubliez pas. Une palette caméra parce que avec le retour caméra c'est pas facile. Ah oui, effectivement, faut que j'arrange ça, c'est pas terrible ce que j'ai fait. Disons, on voit pas pareil. Tac. Bon, c'est pas réussi, mais je l'enlèverai tout à l'heure. Donc ça, c'était le orange. Et là, c'est le bleu. Donc on a dit. Voilà ce que ça donne, bleu et orange. Original. Alors, la lune, où est-ce qu'on va mettre la. Ah, elle est à l'envers. Elle est à l'envers. Ouais, j'ai mis une petite lune, vous voyez, je sais pas si vous la voyez. Donc ils sont tous les deux à 1,39 €. Ouais. Il y avait vert, bleu, orange, je crois que c'était tout. J'arrive pas à le mettre. Voilà. On le range. Ah, pour l'été, ça peut être sympa. Alors j'ai pris des Mikado, ils sont tout petits pour mettre, c'est des parfums d'ambiance là, en Mikado pour mettre dans les toilettes, et j'en enverrai à maman aussi. Alors j'ai pris deux vanilles, je vais en ouvrir un pour vous montrer, j'ai pris un lavande et un au cerf. Voilà.
vois les petits Mikado. Il y en a... Ah, c'est bien, ils sont couleur vanille. Il y en a 4. Bon, ils sentent rien, les Mikado. Ça, c'est le bouchon. Vous mettez dans la bouteille les Mikado. Alors, on va essayer de sortir la bouteille qui est petite. Voilà. Ah oui, c'est... Ils ont... En fait, c'est... Il y a un bouchon en plastique et après, il y a une petite... Ah ben voilà. Hop. Mais par contre, ça n'a pas enlevé complètement le métal. Je savais pas qu'il fallait tirer de cette façon-là. Par contre, l'ouverture, elle est pas simple. C'est même dangereux. On va essayer. C'est pour ça que j'ai pris un couteau. Attends, je vais mettre mes lunettes parce que là... Attendez. Ah, c'est du direct. Alors... Oh la vache. Et ben voilà. Voyez-vous. Donc il reste encore un petit bouchon en caoutchouc. Vous mettez ce truc là, vous mettez les bâtonnets dedans. Je sais pas si ça va diffuser beaucoup, mais voilà le résultat. Celui-là il est à la vanille et il était au prix de 30 000, 1,17. Bon. Hein. Ça sent bon. Bon, je vous dirai quand ça aura un petit peu ça s'est acheté. Et donc on va passer à la chose suivante. J'ai pris 3 sels de bain, il y a 1 mignon qui est toujours au prix de 99 centimes. Un Mickey et un Dingo. Sorti ça, je l'ai pris. J'ai pas pris l'orange parce que c'était pour le volume. Là, je pense que celui-là c'est pour la longueur. C'est la marque. Ah, c'est la marque Rimmel. Voilà, punaise, il y a de la colle dessus. Formule, ah, il y a du collagène dedans. Et volume aussi. Donc peut-être que bon. Voilà. Le résultat, il sent très bon. Enfin, il sent bon. Enfin, je trouve. Flex. Il y avait un orange aussi. Il paraît que c'est qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, je vois pas l'intérêt de comment. De prendre deux mascaras qui sont presque pratiquement identiques. Et il était, attendez, je mets les, il était au prix de 4,44. Donc ça, c'est acheté. On va acheter maintenant parce que le métal, c'est dangereux. Ça, hop. Le reste après, désolé, je me suis un peu absent. Et pour mettre les
Les petits opercules à la poubelle. Alors, le dernier article, c'est un coffret spa. Ils sont super bons. Vous pouvez y aller, les produits spa, ils sont top top chez Action. Il y a un shower gel. Il y a un lotion body pour hydrater. Il y a un peeling body. Il y a un beurre de corps. Et il y a une boule de bain. Et il était au prix de 6,49 €. Franchement, c'est... on va ouvrir ensemble. Le scotch. Voilà ce que ça donne. C'est très, ça sent hyper bon les produits spa, et c'est efficace. Je sais pas si j'ai... alors le beurre, il est bon. Je peux pas le dévisser, mais la boule de bain, les verres clairs, elles sent bon. Là, le beurre, pas le beurre, le gel l'avant. Oh là là, ça sent bon. Ça, c'est une brume. C'est une brume pour le corps, oui. Oh, ça sent super bon. Super. Et ça, c'est donc le hydratant corps. Body. Ah, c'est un peeling, pardon, ça se rince. C'est pour nettoyer la peau en profondeur. Et pour hydrater, c'est donc le beurre. Hein. Mais c'est incroyable comment il est huissé. Ça va être quelque chose à ouvrir, ça. Bon, bah, je peux pas l'ouvrir, je peux pas vous montrer comment c'est. Je vais prendre un torchon. Je sais pas ce qu'ils ont fichu pour le fermer, mais c'est... on peut pas l'ouvrir en fait. C'est pratique. Ah, ça y est. Ouais, il y a une opercule. Je n'ouvre pas pour l'instant parce que je vais pas l'utiliser tout de suite. J'ai d'autres choses entamées à utiliser. Mais franchement, c'est un coffret qui est très très bien, aussi bien pour faire un cadeau pour soi-même. Donc vous pouvez y aller. Voilà, mais écoutez, j'espère que vous allez bien. Bonne journée. Plein de bisous et à bientôt. Bye bye.